Si. Oh, oh. Toi aussi, t'es là. Qu'on se va. Allume la lumière pour voir la tête des convives. Oh, oh. Oh my ghost. Voilà, je serais toujours surpris de voir autant de monde à mon spectacle. Ouais. Et autant de monde que je connais pas en plus. Parce que toi, je te connais pas, par exemple, toi. Toi non plus. Pourtant, t'es venu. T'as mis ta petite chemise, t'as fait ta petite coupe. Viens ici, viens me faire la bise, viens. Merci, Amine, merci. T'as mis du Fahrenheit. T'as mis du Fahrenheit. Tu veux me pécho ou quoi, Amine? Et si je pouvais, je ferais la bise à tout le monde, mais... Je suis pas un bisounours. Ta gueule, quoi. Commence pas à niquer mon spectacle, là, en direct devant toute la France, putain. On est en direct devant toute la France. Ça va la Bourgogne, la Picardie, la Morte, Limousaine, Mulhouse, Sochaux, tout ça, là. Et on a choisi le public de la capitale. Alors la capitale, prouvez qu'on est à la capitale du bruit. Yes. Bien vu, bienvenue mesdames, messieurs, à ce spectacle qui s'appelle Tout sur Jamel. Je balance tout, je dis tout, je n'ai plus rien à foutre, ça y est. L'affaire Clearstream, Wikileaks, DSK, tous les trucs, je les balance. Voilà. Et si je tombe, il y en a qui vont tomber avec moi, je vous préviens. À commencer par les mecs qui mettent du Fahrenheit. Toute la soirée, je vais être sur ta gueule, que sur ta gueule. Oh là, je te connais pas, je t'ai jamais vu, hein. Mais je sais pas, c'est ta tête, elle m'énerve. Et là, les yeux trop rapprochés où j'arrive pas à comprendre ce physique. C'est comme à chaque rentrée des classes. La prof, sur 30 élèves, elle va toujours tiquer sur un élève, Miskin. Et ben, cet élève, ce soir, c'est toi. Vous êtes un petit couple, hein? Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, ça se voit, c'est tout, tout fraîche, hein? Et il attend qu'elle rigole pour rigoler. Hein? Tu comptes sur moi pour, hein? Moi je la fais rigoler et toi t'encaisses. Hein, vous vous êtes mis au premier rang pour espérer passer une meilleure soirée que les autres, hein? Eh ben ça sera la pire, attends. Sur ce toit là. Je vais vous venger les pauvres. Ils sont nombreux à Paris, les pauvres. Mon petit frère Karim, qui est ici dans les coulisses, c'est aussi le producteur de ce spectacle. Merci Karim. Il a toujours été là, mon frère Karim. C'est vrai. Lui, je le connais depuis... des années. Et il était là à mon premier cours de spectacle. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était au collège Gustave Courbet à Trappes. J'avais ton âge à peu près. T'as quel âge? Hein? 13 ans. 13 ans? T'es en quelle classe? Hein, caméraman? Hein, caméraman, il est là, là, il est là. T'es en train de filmer de l'autre côté du... Là, là. Qui c'est qui a mis celui-là, là, là? Oh là, moi j'ai des cousins, ils savent exactement où filmer. Elle commence pas, oh là là, des mains, cousin. Lui, Muskin, tu sais, il faut qu'il ait ses heures de spectacle, c'est pour ça, on l'a. Comment tu t'appelles? Max. Max, t'as quel âge? 13 ans. Et t'es en quelle classe? 4e. 4e? 13 ans? T'as jamais redoublé de tout le. Ta mère, c'est la directrice de l'école, ta mère? 13 ans? 13 ans, 4e, Karim? Eh, hey, faut l'empailler, lui, hein, oula. Karim, 13 ans, 4e, t'es marre, viens voir. J'avais quel âge, mon 4e? 19, 18, 18. Moi, je conduisais une 205 GTI à l'époque, moi. Alors là, toi, t'es précoce, hein, cousin. 13 ans, 4e, c'est bien, hein, madame. Vous devez être fier. T'as la chance. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était au collège Gustave Courbet à Trappes. J'étais en 6e nef, dans la classe de madame Laferrière. Une prof de maths, une méchante. Elle avait un physique de méchante, je me rappelle. Le genre de meuf, même de face, on aurait dit qu'elle était de profil, tu vois.
Un Picasso, cette dame, elle m'énervait, au moins. Mais dans sa classe, il y avait Isabelle Truong, la plus belle asiatique de tout le système scolaire, là. Et comme elle aimait bien les maths, je faisais semblant de comprendre les maths, tu vois. Un X plus deux X? Et t'es qu'un inconnu? Mais c'est qui, ça? Heureusement, un jour, la prof, elle demande « Qui peut venir me dessiner au tableau une parabole ?» Là, dans ma tête, il y avait le jour de gloire est arrivé contre nos deux la tiramisu. Debout au tableau, je vous jure. J'étais au tableau comme si j'allais recevoir la Légion d'honneur. Je fais fondre la montagne. J'ai pris la craie, je lui ai dessiné la plus belle parabole qu'elle ait jamais vue. Je te fais fondre la montagne. Sur la vie de la montagne. J'ai même dessiné la prise Péritel qui va avec. Là. J'ai dit, madame, avec ça, vous pouvez capter toutes les chaînes avec ça, là. Elle m'a dit, tiens, moi, grâce à moi, vous captez la BBC, c'est comme ça que vous menez. Dehors, il n'y a rien de plus humiliant au monde qu'une prof qui crie fort dehors devant tout le monde, comme ça. J'ai regardé Isabelle Truong pour un peu de soutien, tu vois. Elle a fait... Connasse asiatique, là, qui rend pas service. Et moi, je vous jure, j'étais sûr d'avoir bien fait, tu vois. Elle m'a dit, dehors! Je dis, ça va, c'est bon, pas la peine de gueuler, je sais comment ça s'écrit, c'est pas la peine de... Et là, je me suis retrouvé dans un couloir. Avec plein d'autres élèves qui croyaient avoir bien fait, tu vois. Ça va? Ouais, j'ai ça. Ah, mais allez, je t'ai... Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas nous, ça. Et dont un qui était vraiment vénère. Il y en a un, il était chaud, je me rappelle. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il m'a dit, moi, c'est la pauvre là. On l'a lavé, c'est la pauvre là. Elle a dit, elle a commencé à dire, qu'est-ce qui, selon vous, ressemble plus à un triangle isocèle? Je dis, qu'est-ce que t'as répondu? Mais j'ai dit, une techa, tu vois, une techa. Ça ressemble à ça. C'est isocèle, t'as eu? Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une techa, t'as eu? Oh, elle m'a dit, dehors! J'ai dit, mais elle a jamais vu de techa ou quoi, elle? Charles se réveille, elle a plus de techa, Charles. Et t'as pris combien pour ça? 4 heures de colle, dont 2 avec sursis. Oh! Pendant qu'il y en a qui accumulaient les connaissances, nous on accumulait les ordres de colle. C'est pour ça qu'on se retrouva fort dépourvu lorsque notre avenir fut venu, là. On était de la merde, tous. Mais lui, mesdames, messieurs, lui, c'était un dernier de la classe. Voilà. C'est la sorcière du Zénith. Je la mets là pour qu'elle me protège du mauvais œil. Sorcière, sale sorcière. Je me rappelle plus de ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je dis? Hein? C'est pas? Dégage, dégage de là. On est en direct là, on n'est pas en train de pas être en direct là. Et vous monsieur, qu'est-ce que je disais? Je sais pas non plus. T'es le père de lui, t'es le père, ça se voit. Tel truc. C'est normal quand un père il sait pas, le fils il fait pareil, tu vois. Et toi, qu'est-ce que je disais? La sorcière du Zénith. Lui, il me l'a récité comme si c'était un examen. T'as dit la sorcière du Zénith. Une sorcière qui va se protéger du mauvais œil de tous les trucs. Détente, cousin, mais cool, il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Oh là 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 là. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je me rappelle vraiment plus, là. Ça la fout la honte devant la Bourgogne. Voilà, exactement, dernier de la classe. Mais lui, c'est vrai, wallah, c'était un vrai dernier de la classe. Hein. Un véritable, parce que déjà dans mon collège, le collège Gustave Courbet à Trappes, c'était le dernier de tous les collèges. Dernier de la classe dans le dernier de tous les collèges. J'ai essayé, c'est impossible. Hein. Faut être un radiateur, tu vois. Chaud et immobile, quoi.
Je dis, Roya, mais Roya, Roya, comment tu fais pour être dernier de la classe comme ça? Comment tu fais? Il m'a dit, Alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, ça. C'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir à moi et à toute ma famille. Alhamdoulilah. On est des derniers de pire en fils, nous. Merci. Je dis, toi, tu seras mon ami d'enfance, toi, viens. Et on a commencé à se balader dans les couloirs. C'est la vérité, tout ça. Hein. Et au bout du couloir, on est tombé sur l'amphithéâtre. Et au milieu de l'amphithéâtre, on est tombé sur quoi? Une classe de blonds aux yeux bleus. La sixième une. La classe de lui. Tacla. Comment il s'appelle, Miskin? Max. Max? Qu'est-ce que tu veux? J'en étais sûr. Maximum. C'est vrai, quand tu t'appelles Max, t'es obligé de tout donner. Il y avait la classe de 6e une. Et eux, ils faisaient de l'improvisation théâtrale, eux. Il y en a un qui courait en criant « Je suis une libellule oh, !» C'est vrai. Il y en a un autre qui criait « Je suis un coccinelle !» Je dis « Tiens, ça c'est bizarre, ça. » Nous, on n'a pas compris quand on a vu ça. Et quand on ne comprend pas, nous, on insulte. C'est la tradition chez nous depuis des millénaires, c'est comme ça. Hé, hey, la libellule, non. Hé, hey, hey, tu touches la côte au rein, pourquoi? Hé, hey, la libellule, quand vous avez... Quand vous... Annick ta mère, Nick. Le prof papy, il était désemparé. Bravo. Il est fort simple de tenir son langage sur cet arbre perché, hein. Descendez donc. Il pleut. C'était notre seul moyen de défense, la salive. Et on a arrêté de les insulter et de leur cracher dessus quand on s'est aperçu que le professeur de théâtre, il distribuait des morceaux de cake aux fruits confites. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon pote, arrête ton activité crachée tout de suite. Et viens, on descend comme si c'était pas nous qui avions foutu la merde. Le prof, il nous est tombé dessus direct. Tiens, finalement, vous avez fini par descendre. Hein. Vous êtes donc moins lâche que prévu. Vous, en parlant à mon pote, là, comment vous appelez-vous? Moi, je balancerai jamais mon blaze, moi. Moi, je me balancerai jamais, moi. Je dirai jamais que je m'appelle Mimoun. Jamais. Mimoun, mettez-vous au centre. Comment est-ce que je m'appelle Mimoun? Mimoun, arrêtez de faire l'imbécile. Mettez-vous au centre et faites-nous donc un artichaut. Un artichaut, oui. Mon pote, il savait pas ce que c'était. Il a commencé à faire un artichaut. Je dis, qu'est-ce que tu fais, là? Il me dit, je fais un artichaut vénère. Le prof lui dit, dégage, pas de cake. Après, c'était à mon tour. Il m'a dit, vous? Je fais, Oui, c'est à vous que je parle. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait, Faites-nous donc une vache. La honte de faire la vache, Roya. Mon orgueil ne me permettait pas de faire la vache. Je pouvais pas faire que... Non, attends. Mais j'avais trop ouvert ma gueule, fallait que je fasse un truc, tu vois. Et il y avait le cake. Ils m'ont regardé ça comme. Mangez-moi. Fallait que je fasse un truc, tu vois. Mais une vache. Je me suis mis devant tout le monde. Et j'ai commencé à faire. Il m'a donné un cake! Ça s'est passé comme ça, la vie. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai pris perpète. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Et, quand tu sens que tu veux dire un truc, ta gueule, toi. Bloque tous tes organes, c'est mieux que de dire n'importe quoi. En tout cas, j'ai commencé à prendre perpète comme ça, en jouant des trucs. J'ai, j'ai,
J'ai commencé à jouer des trucs dans ma chambre, des trucs que j'avais écrits moi-même devant le miroir. J'attendais qu'il n'y ait personne et je répétais, tu vois. Oh, oh bien. Oh, Madame de Pompadour. Quelle charmante coïncidence, madame. Si votre amas sort rapporte votre fromage, vous avez bien mangé normalement, là. Un jour, mon père, il me voit parler tout seul devant le miroir en faisant des grands gestes. Il est arrivé par derrière, il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque. Bah ! Un coup de poing claque, c'est un truc entre un coup de poing dans ta gueule et une claque. C'est ça. C'est mon père qui l'a inventé, ce coup. Et il est très fier. Il m'a vu parler tout seul, mon père, devant le miroir. Il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque en criant « Sors du sous-corps, Beelzebuth !» Laisse mon fils tranquille, il est gentil. Mais papa, 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 mais arrête, arrête, papa, c'est moi. Reste en dehors de tout ça, feston. C'est entre moi et Beelzebuth, dégage. Mais je pouvais pas lui expliquer, mon père, le théâtre, c'était trop loin pour lui. Il m'a toujours dit, mon père, le théâtre, c'est pour les homosexuels, il est pédé, il est dur. Il a changé d'avis dès que j'ai offert une voiture. Le lendemain, il m'a dit, ça se passe bien, les répètes. C'est la climatisation, ça, non? Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours eu le soutien de ma famille, heureusement. Parce que tout seul, t'arrives à pas grand-chose, tu vois. Hein? Vous êtes venu avec votre assistante sociale? Parce qu'on est en direct là, les mecs, hein. Pas de vague, hein. Ouais. T'as payé ta place, toi? Un corbeau, le bâtard, il a ramené. Il a ramené un corbeau, le bâtard. Karim, il y a un. Il y a un mec au fond là, faut le défoncer. Et reste là, mon frère, il va te ramener des gâteaux, reste là. Ah là là. Mais c'est vrai. J'ai toujours le soutien de ma famille pour le Jamel Comedy Club, c'est sûr que... Vous connaissez le Jamel Comedy Club? Oui. C'est parce qu'il y a une dame là-bas depuis... Ouais, c'est bien, ta gueule. Bah, là-bas, regarde. Depuis le début de ce spectacle, il y a une dame, elle me regarde ça comme. Mais moi, je suis venu voir le lac des cygnes. À moins qu'elle ait la grippe aviaire, l'arabe, là, c'est pas un signe. Je dirais qu'elle est pas... C'est pas ce qu'elle est venue voir, Mskina. Non, ben, le Jamel Comedy Club, pour ceux qui savent pas ce que c'est des artistes en voie d'apparition. Des artistes que j'ai trouvés par terre, tous. La plupart. Sérieux? Et c'est vrai que je suis très fier, on a eu beaucoup de satisfaction avec ce Comedy Club. On a ajouté un petit peu de couleur à la télévision française, à la radio. Malik Bentala sur Europe 1. C'est vrai. Il y avait Fabrice Eboué sur M6, je me souviens. Qui Rachida Dati sur TF1, c'est grâce à nous, ça. Voilà, c'est nous qui l'avons boosté. Et l'aboutissement de tout ça, ça a été d'ouvrir un café-théâtre sur les grands boulevards. Le Comedy Club. Ah ouais. Je suis très très fier. Hey, c'était un ancien cinéma porno dans les années 50. Oh là, la première fois que je suis entré au Comedy Club, j'ai entendu l'âme du cinéma porno. J'étais comme ça et j'ai entendu. Oh oui, vas-y, laisse-toi faire. Je dis, je l'achète direct ce théâtre. J'ai mis ma mère à la caisse, elle gère ça comme une épicerie, ça se passe très bien. Les places sont à 20 euros et c'est vrai que d'une manière générale, on est content. Hein? C'est cher? Ben retourne à Provardix, faut que je te dise, moi. 20 euros, on est 12 sur scène, monsieur. 1 euro par artiste, fais le calcul. Attends, fais pas le calcul, 10 minutes. C'est les maths, ta gueule, c'est les maths, on veut le faire. Et le y a 1 euro pour le technicien, 1 euro pour le barman, 14 euros, ça fait. Et le reste, ma mère, elle le reverse intégralement à une association qui œuvre pour le bien-être de la famille de Bouze. Attends, attends. C'est une association lucrative sans but. Hey.
C'est pour nous, les Dubouze. Tous les dimanches, on se retrouve chez ma mère, on se donne la main et on chante. Les Dubouze, les Dubouze. Les Dubouze qui séparent. Chut. Comment j'ai galéré en plus pour ouvrir ce théâtre. On a mis un. Quand mon père, il a appris que j'allais vendre de l'alcool, il m'a dit. Jamais de la viande de Dubouze, il va vendre de l'alcool. Jamais. Tu me bats, ça rapporte 4500 euros par mois. Alors là, faut faire des cocktails. Bloody Mary, Peña Colada, tout ça, on y va, Fatima. Les glaçons, vite. Happy hour. Et on a reçu la terre entière. Hein. Qui on a reçu? Stevie Wonder, Mecca, 50 Cent. 50 centimes en personne, il est venu. On lui a rendu la monnaie, on a rigolé. Qui d'autre? Justin Bieber, il est venu. Tu connais Justin Bieber? Il est venu avec sa guitare et sa tétine, là, j'ai dit, tiens. Les Black Eyed Peas, les Black Eyed Peas! Oh! Ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a dit? Mito? Mais t'es né un jour férié ou quoi, toi, là? Il n'y avait personne le jour de ta naissance à l'hôpital, c'est pour ça que tu... À mon avis, sa mère, elle a dû arriver aux urgences, il n'y avait vraiment personne. Parce que... Oh merde, y'a personne. Merde, je... Allez, c'est pas grave. On va rentrer comme ça, jusqu'à la maison. Attends, attends, attends. Et lui, parce qu'il est lui. Maman, maman, arrête, arrête, maman. C'est pour ça qu'il parle tout seul, là. Ils étaient là, les Black Eyed Peas, ils étaient là, les quatre. Il y avait Will.i.am, Fergie, le noir et le chinois, là. Voilà. Ils sont venus. Hé, hey, le chinois, il arriva au Comedy Club avec une chemise en aluminium, un slip en nubuck. Mon père, il a vu ça, il lui a mis un coup de poing claque dans la nuque. Dégage, pas de clochard chez nous. J'ai retrouvé le chinois et grelotté boulevard Sébastopol. Oh, c'est vrai. Ce qu'il me raconte, lui, ça m'énerve, ça. Les gens ne me croient jamais quand je raconte mes histoires. C'est vrai. Il y en a qui sont déjà venus au Comedy Club. Oh, I love Italy.